effectivement, vous avez la primeur de l'information sur la création de cette nouvelle association qui s'appelle Honotuna. Puisque nous n'avons pas encore communiqué, c'est tout récent. Petit exclu de la délégation. Donc, nous, on a créé Honotuna. Alors, Hono, ça veut dire union, ça veut dire lien. Et Tupuna, ce sont les ancêtres. Donc, notre idée, c'est de créer une union, un lien, une fédération autour de ce que nous ont transmis nos ancêtres, autour de nos traditions, parce que c'est ce qui fait notre identité aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la force de vivre en métropole, dans l'Hexagone. Vous écoutez, madame Bocala. Hein. Donc l'idée de cette association, parce que je suis moi-même présidente d'une autre association qui s'appelle Hivanui, qui est une association culturelle. Mais là, l'idée de Honotuna, c'est vraiment de créer une fédération d'associations autour de nos traditions, autour de notre culture, parce qu'on est loin. On est loin et pourtant on a besoin de se rapprocher de notre culture et de garder ce lien. Et parce que l'union fait la force, on a eu l'idée avec Théa, avec Ken, avec Dornella, que je ne vois pas mais qui est là, avec Nadia aussi, de créer cette association pour fédérer un maximum d'acteurs de la culture polynésienne, d'associations autour de nos traditions. Donc voilà, c'est le défi qu'on s'est lancé avec Honotuna, donc à peine une semaine notre association. Donc c'est un défi qui est grand, on en a conscience, mais avec toute l'équipe on a envie de le relever, parce que c'est un beau symbole et parce que notre culture du Fénois c'est aussi une culture de lien, d'union autour de nos traditions. Baronou Mélanie. Pour moi, il y a moi, effectivement, je suis très, très ému et très touché d'être là face à vous. Vous qui œuvrez, chacun dans votre coin, pour la promotion de la culture polynésienne, c'est effectivement, c'est bien, pour revenir à ce que disait Madame Apocal tout à l'heure, la culture, c'est quelque chose que nous, Polynésiens, on met en avant. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. La jeunesse, avec la EPF, qui est représentée aujourd'hui ici, avec la fédération, là, effectivement, est l'avenir. Et d'ailleurs, Madame Bocal, merci beaucoup, puisque c'est vous qui avez été le lien du contact avec M. Escaillès, qui fait le forum dans le 7 décembre. Et donc, ben voilà, la délégation, ainsi que la fédération, ainsi que les associations des étudiants de la Polynésie française seront représentées. Et voilà, bravo, merci. Oui. Exactement, de Madame Elisée. On est là. Voilà, je vous disais merci pour la transmission du contact. Donc, merci à vous, effectivement, Madame la déléguée interministérielle. Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais effectivement réagir, pas seulement sur la culture. Mais il y avait pas mal de projets, notamment à l'époque où Patrick Caram était délégué interministériel. Et lorsqu'on a fait les états généraux, sur notamment les billets d'avion, où il y a pas mal de Polynésiens qui ont encore du mal à rentrer chez eux après 30 ou 40 ans de vie ici, même pour leurs enfants, puisqu'il y a aussi des petits-enfants dont les grands-parents ont fait... étaient dans les bataillons du Pacifique et ont grandi ici et malheureusement n'ont jamais mis le pied à Tahiti. Pourquoi? Parce que les billets sont trop chers. Voilà, pour ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je sais qu'il y a énormément d'associations ici qui ont déjà œuvré pour essayer de se réunir afin de trouver des solutions pour avoir des billets d'avion qui nous permettraient enfin de pouvoir ne pas faire de crédit pour rentrer juste chez nous. Ça, c'est une chose. Et puis après, être aidé sur, notamment, je ne sais pas, moi, je sais qu'il y a certainement des associations, en tous les cas, pour nous, c'est le cas, qui ont des problèmes sur faire venir des instruments de musique, faire venir des matières premières pour faire des costumes. Ça, je m'adresse notamment aux associations qui œuvrent pour la promotion de la culture polynésienne à travers la danse.
à travers les chants. Et donc voilà, il y a plein de choses à mettre en exergue, et j'espère qu'on trouvera effectivement des solutions. En tous les cas, je pense que c'est un très 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 bon très 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 bonne chose, ces assises, afin de remonter l'ensemble des problématiques de l'ensemble des associations. Maintenant, problématique ne veut pas dire forcément une solution derrière. Je pense qu'il y a aussi à nous à donner énormément. Et de toute façon, il n'y a que, effectivement, en se réunissant, en essayant de faire quelque chose enfin, ensemble, parce que ce n'est pas le cas, enfin, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, puisque là, voilà, Mélanie a fait un discours sur cette nouvelle association qui essaye de fédérer l'ensemble des associations, pour l'instant, de région parisienne, Île-de-France, région parisienne. À mon avis, ça va être un petit peu dur. Oui, et puis après, bien sûr qu'on espère beaucoup. Après, voilà, il reste le côté un peu humain de la chose. Notre communauté, vous la connaissez mieux que personne. C'est souvent justement ces côtés polynésiens, pas négatifs, qui ressortent et qui font que sur un projet qui est en train de monter, ça casse aussi. Il y a ce côté-là aussi à travailler sur nous-mêmes. Mais voilà, il n'y a pas que la culture, donc j'espère vraiment qu'on parlera, et surtout les étudiants trouveront des choses à nous dire, mettre des outils en place, pour reprendre les outils qui sont déjà existants. Le site internet de Tahiti en France, malheureusement Gérard n'est pas là, mais je pense que c'est déjà un très bel outil. Je pense même qu'à la base c'était même pas fait pour ça. Aujourd'hui, il est capable de recenser un certain nombre d'associations. Il me semble 167 associations recensées, et je pense qu'il y en a même certainement beaucoup plus, qui ne font pas spécialement la même chose. Je pense aussi notamment au travail de l'association Maui Pari, qui est là en train d'essayer, sans le vouloir, mais avec leur projet de Opera Nui, en train de faire une espèce de base de données sur les artistes polynésiens qui sont bien entendu méconnus. Et donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, voilà. En tant que parent, j'ai largement écoulé, je pense. Hein. Bon, malheureusement d'avoir écouté, et puis j'espère qu'on trouvera bon nombre de solutions à l'issue de cette journée. Malheureusement.